Mais en montrant tout ton courage, tes ailes t'aideront à sortir de ta cage. Tu pourras sûrement voler et gagner. Vous allez nous en dire plus ou pas? À propos des Digimon infectés? C'était il y a 1000 ans cette histoire. Alors ferme-la. C'est gentil, Pillomon. Guidé par l'amour et l'amitié. Aux sources thermales. C'était dans ma liste des choses à faire absolument une fois rentrée au Japon. Désolé, je suis occupé. Et tu m'écoutes, Joe? Tu es incroyable, Mimi. Mimi repéré! Ah oui! Les Digimon infectés sont à la recherche de quelqu'un en particulier. Je vais m'en occuper. Moi, je vais leur montrer qu'il y a des Digimon qui sont là pour nous aider. Après avoir perdu connaissance, dans ce monde sans règles et sans confiance. Tu t'en rends pas compte, mais tu agis de manière très égoïste parfois. Mimi! On n'aurait pas dû y aller. Il a dit que tout le monde y serait. Je sais déjà ce qui se serait passé si j'y étais. Tu dirais qu'ils sont plutôt heureux ou malheureux? C'est pareil pour toi, Taichi. Hein? Il y a des choses que tu préfères ignorer. Surpasser les ténèbres? Qu'est-ce que ça veut dire? Kenichi Joji? Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi. Hein? Je croyais qu'on s'était compris. Mais tu t'es mis à douter. De nous et de toi, c'est ça? Taichi! Mais pourquoi? J'ai rien demandé, moi! Si quelqu'un a envie de se battre, il a qu'à prendre ma place! Je sais! Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas que je reste avec toi. Fais ce que tu veux! Après avoir perdu ma Jo, tu oublies quelque chose. Tu veux sauver Melkuman, Mimi? Toi aussi, pas vrai? Mais on rassemble toutes ces... Allez! Go, maman! Connaître les ténèbres et les surpasser, ce serait en lien avec l'évolution ultime. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui lui a pris?